Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC. Bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC Congo de ce mercredi 13 juin 2018. Au micro Don Kayembe depuis New York city Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Kabila partira ou partira pas. Depuis Montréal, Bruno Tchibala annonce les élections en RDC sans Kabila. Point 2. Jean-Pierre Bemba était toujours à la haie ce mercredi en début d'après-midi dans un hôtel avec ses proches en entendant d'avoir l'accord de la Belgique. Et enfin, point 3. Qui est au fait Jean-Pierre Bemba Selon ses proches, il était trop impulsif, trop autoritaire comme patron. Et maintenant, entrons dans les détails. Point 1. Kabila partira ou partira pas depuis Montréal, Bruno Chibala annonce les élections en RDC sans Kabila. K info titre. Depuis Montréal, Bruno Chibala annonce que les élections auront lieu sans le président Kabila. Est ce le début de la fin de suspense sur l'avenir politique du chef de l'État? s'interroge le confrère. À moins de deux semaines du début de dépôt des candidatures, en vue d'élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2018, le Premier ministre annonce que Joseph Kabila ne briguera pas de troisième mandat. Les élections auront lieu sans la participation du président Kabila, qui respectera l'esprit et la lettre de la Constitution, a déclaré Bruno Chibala mardi à Montréal, où il prend part au Forum économique international des Amériques, selon l'agence Reuters. La présence ou non du chef de l'État au prochain scrutin retient l'attention de toute la classe politique congolaise. Arrivé à la fin de son second mandat en 2016, Joseph Kabila, resté en poste, n'a toujours pas dit s'il se représentera ou pas. L'opposition, mais aussi une partie de la communauté internationale, le soupçonne de vouloir s'accrocher pour un troisième mandat, peut-on lire dans ce média en ligne Point 2. Jean-Pierre Bemba était toujours à la haie ce mercredi en début d'après-midi dans un hôtel avec ses proches en attendant d'avoir l'accord de la Belgique. RFI titre CPI Le soutien de Jean-Pierre Bemba s'impatiente de son arrivée à Bruxelles Après sa libération provisoire annoncée par la CPI mardi 12 juin, Jean-Pierre Bemba était toujours à la haie ce mercredi en début d'après-midi. Le temps d'être fixé sur sa peine dans son procès pour subordination des témoins et après son acquittement vendredi dernier dans son procès pour les crimes commis en Centrafrique en 2002-2003. Il est donc attendu par ses partisans à Bruxelles. Il y a un peu d'inquiétude chez les militants du MLC, eux qui espéraient que leur chemin serait de mardi 12 juin au soir à Bruxelles. Depuis ce matin, plusieurs cadres courent d'administration en administration pour chercher les papiers nécessaires rapporte RFI. Lors de son arrestation il y a dix ans, Jean Pierre Bemba était résident au Portugal, il n'avait pas de papier en Belgique. Toute une partie de la famille, notamment celle venue de Kinshasa, l'attend des pieds fermes ici, alors que sa femme et certains de ses enfants sont encore à la haie pour tenter de démêler la situation. Hier soir, Jean Pierre Bemba a quitté le centre de détention, il reste sous surveillance de la cour, il est dans un hôtel avec ses proches, en attendant d'avoir l'accord de la Belgique ou d'un autre État pour l'accueillir. Des consultations sont en cours, assure le porte-parole de la Cour à La Haye. Côté belge, même discours, des consultations sont en cours, mais la Belgique n'a toujours pas officiellement donné son accord pour ce transfert. Jean-Pierre Bemba a demandé à la Cour d'être remise en liberté provisoire sur le sol belge, mais Bruxelles peut refuser, fait remarquer RFI. Point 3. Qui est au fait Jean-Pierre Bemba Selon ses proches, il était trop impulsif. Autoritaires comme patron. France Info, titre Heure d'essai, qui est Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président acquitté par la Cour pénale internationale L'ancien rebelle Jean-Pierre Bemba, condamné en première instance à 18 ans de prison, a été acquitté en appel le 8 juin 2018 par la Cour pénale internationale. Il a laissé en la République démocratique du Congo les souvenirs d'un chef autoritaire qui reste encore populaire à Kinshasa 11 ans après son départ en exil. Né le 4 novembre 1962 à Bogota, dans la région forestière de l'Équateur, Jean-Pierre Bemba est le fils d'un riche homme d'affaires proche de l'ancien dictateur Mobutu Sese Seko. Il commence par diriger les entreprises familiales, puis il se lance à son compte dans la téléphonie mobile, le fret aérien, crée deux chaînes de télévision évoluant sous les ailes protectrices du maréchal Mobutu. De cette époque. Un de ses anciens proches garde de lui l'image d'un homme accroché à une calculette, peu prompt à s'acquitter de l'impôt, mais intraitable avec ses débiteurs. Le social n'était pas son point fort, ajoute cet ex-cadre du groupe familial, qui précise « il était trop impulsif, trop autoritaire comme patron ». Des traits de caractère que confirme le député Délice Sanga, son directeur de cabinet à la vice-présidence de 2003 à 2006 pendant la transition politique en RDC. Le chairman, comme on le surnomme encore au sein de son parti, était réactif, raconte le parlementaire au point d'agir parfois dans une sorte de précipitation qui peut conduire à des erreurs. Mobutu Miniature renchérit France Info. L'aventure militaire de Jean-Pierre Bemba commence en 1998. Surnommé le Mobutu Miniature, il a quitté brusquement la capitale l'année précédente. Et ce, après la prise du pouvoir par le chef rebelle Laurent-Désiré Kabila et l'emprisonnement de son père Jeannot Bemba. Soutenu par l'Ouganda, il crée et dirige le MLC. Ce mouvement rebelle règne alors un maître dans la région de l'Équateur et une partie du nord-est du pays. Comme tous les belligérants qui ont pris part à la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003, le MLC est accusé par les Nations unies d'avoir commis des atrocités à grande échelle dans les zones qu'il contrôlait. Réputé audacieux Jean-Pierre Bemba, colosse de 1,90 mètres au visage rond, obtient à la fin de la guerre un de quatre postes de vice-président dans le cadre d'une transition politique dirigée par Joseph Kabila, lequel a accédé à la tête de l'État à la mort de son père en 2001. Notre France Info. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pinocchio City pour le compte de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise au Panorama d'Afrique. A demain.